nominees in the category Smart Growth, promoting digital transformation are... Une cérémonie digne des Césars, voilà l'un des moments phares de la Semaine des Régions et des Villes à Bruxelles. On vous en parlait sous un angle plus financier il y a quelques semaines. Place maintenant au projet concret. Mode d'emploi vous emmène à la découverte de deux projets de notre région qui ont été nominés pour ce prix prestigieux des meilleurs projets européens. Nous découvrirons aussi comment cette semaine bruxelloise dédiée au territoire peut contribuer à la genèse de projets européens, en l'occurrence entre la Gironde et la ville d'Oslo. L'Europe, c'est un ensemble de pays, mais aussi de frontières qui coupent parfois des territoires dans leur élan. Car de nombreux dispositifs existent pour encourager au développement et à l'innovation des petites entreprises. Mais lorsque ces dispositifs sont de l'autre côté de la frontière, à quelques kilomètres, cela peut rendre les choses très compliquées. Aider les petites entreprises d'un territoire transfrontalier à saisir les opportunités d'innovation, c'est l'ambition de ce projet européen. Et c'est un projet entre Irun Fontarabie et l'Aglo Sud Pays Basque. Et notre projet, c'est pour approcher l'innovation à la petite et moyenne entreprise de notre territoire et à les entrepreneurs. Pour eux, ce n'est pas facile de savoir comment mettre l'innovation dans l'entreprise parce qu'ils sont assez éloignés de le centre technologie. Et avec ces projets, on est arrivé à le faire comprendre et faire s'approprier de la technologie et l'innovation dans cette petite entreprise. Il faut savoir que moins de 4% de notre entreprise ont plus de 10 employés. Et c'est à cette entreprise que le projet est dirigé. Ça peut les aider et c'est une richesse aussi parce que nous avons des structures d'appui à l'innovation dans un côté et l'autre côté de la frontière. Il y a des fois qu'ils ne connaissent pas et les outils qu'il y a d'un autre côté avec ces projets-là. On approche tous les outils qu'il y a dans l'entourage. Et aussi, nous les accompagnons pour le faire le plus facile possible pour eux. Également nominé un projet très différent mais également transfrontalier permettant l'accès des structures du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle aux personnes handicapées, adultes mais aussi aux enfants de la région qui souhaitent découvrir le patrimoine culturel de ce chemin. C'est un projet qui est né pour relier trois territoires, la Navarre, la Garonne et la Nouvelle-Aquitaine. Et on a trois villes très différentes, Jaca et la montagne, Ostabat c'est rural, et la Pampelune c'est urbain, mais ils sont des points communs, le chemin de Saint-Jacques, et la volonté de garantir un droit légal que c'est, qui est l'accessibilité pour toutes et pour tous. Ça va permettre de donner des informations sur le chemin de Saint-Jacques aux personnes handicapées. Ça va permettre de faire les trajets pour les personnes handicapées d'un territoire à un autre territoire et l'accessibilité au centre d'interprétation avec des histoires concrètes de chemin de Saint-Jacques. Elles avouent avoir pleuré lorsqu'elles ont appris cette nomination pour leurs projets respectifs. Une reconnaissance du travail accompli, mais aussi l'espoir d'un levier supplémentaire pour l'avenir. Côté innovation, 20 entreprises industrielles ont déjà été aidées à innover dans le numérique. Côté chemin de Saint-Jacques, une auberge pouvant accueillir les personnes handicapées est en construction. Être mis en lumière à Bruxelles, c'est un formidable espoir. On est errés, c'est magnifique pour nous, c'est pour ça parce que c'est un projet petit, un projet de Pyrénées, mais le chemin de Saint-Jacques, c'est trop long, c'est trop grand, et pour nous c'est très important d'être ici pour... C'est qu'on cherche les droits des personnes handicapées d'accéder pleinement à la culture, à l'activité sportive, récréative, mais on cherche aussi promotionner les villes, le chemin. Et pour nous, c'est très important d'être ici. Pour nous, a été magnifique parce que tout d'un coup, savoir que ton projet, que tu penses que ce n'est pas un grand projet parce que c'est un territoire pas très, très large et être dans les plus grands projets d'innovation de l'Europe, pour nous, a été magnifique pour notre partenaire
pour toutes les personnes qui travaillent dans les projets et les entreprises et qui sont très proches de nous avec ces projets. Ils sont aussi très, 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 très contentes. Et c'est aussi très important parce que avec ça, et nous pouvons parler aussi avec les autorités de notre région pour lui dire que ça, c'est aussi un chemin très important pour l'innovation, oui. Mais avant que les projets ne soient mis en lumière, il faut qu'ils soient imaginés. Et Bruxelles reste un carrefour incontournable pour permettre les connexions nécessaires à des projets européens, pas toujours transfrontaliers. L'exemple avec la Gironde qui vient rencontrer la ville d'Oslo. En fait, je viens rencontrer la ville d'Oslo, qui est une ville qui est assez en avance sur toutes les questions environnementales, les questions de prise en compte des comportements humains d'aujourd'hui, pour faire en sorte d'avoir le moindre impact environnemental possible. Or, nous avons orienté notre département vers une politique dite de résilience, c'est-à-dire comment nous adapter au changement de la société, au changement climatique. Et la ville d'Oslo me semble très en avance là-dessus. C'était donc l'occasion d'échanger avec les représentants pour faire le point sur leurs pratiques et voir si nous pouvons nous en inspirer. Bruxelles est facile d'accès depuis Bordeaux c'est l'occasion aussi d'avoir tout un ensemble de régions, de villes, voire même de départements qui peuvent être présents. C'est donc quelque part un carrefour qui permet cet échange d'expériences en regroupant l'ensemble des collectivités ou l'ensemble des représentants de différentes strates dans les pays. Donc c'est vraiment le lieu, la semaine au cours de laquelle le plus grand nombre d'interlocuteurs peut être rencontré. Peut-être bientôt des camions poubelles qui roulent au biogaz et des subventions pour les vélos permettant d'amener les enfants à l'école. Difficile à ce stade d'en dire plus, mais peut-être les retrouverons-nous dans Mode d'emploi dans quelques mois.